Alors la formation est terminée? Oui. Aujourd'hui, voilà. Et, alors, quel âge vous avez, si c'est pas indiscret? 20 ans, d'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que la formation est terminée? Celui-là, moi, je vais continuer. Vous allez continuer la couture? Celui-là, moi. S'il y a moyen? Oui. Ou bien si je trouve la machine, je vais continuer. Oui. C'est tout. D'accord. Il faut chercher le marché. Où est-ce qu'on peut faire de la couture? Où est-ce qu'on peut travailler la couture à Goma? Dans les ateliers. On cherche quelque part sur la route. Sur la route? D'accord. Il y a des ateliers le long de cette route. Oui, ça y est. D'accord. Et est-ce qu'il faut encore apprendre pour faire des choses plus compliquées? Mais... Maintenant, il faut pratiquer. Oui. D'accord. Et comment vous avez connu le centre ici et la formation? J'ai un petit frère ici qui étudie ici. D'accord. C'est son temps qu'il m'a informé qu'ici il y a la formation de police. Un petit frère. Il est en quelle année le petit frère? En quatrième construction. En quatrième construction? Ah, il n'est pas si petit que ça alors. Il a quel âge? 15 ans. 15 ans, d'accord. D'accord. Ça lui plaît la construction? Oui. Ouais, ça va. Et est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs? Oui, ça y est. Oui. L'autre est en quatrième année, primaire. D'accord. L'autre en deuxième année, première. D'accord. Ouais. Vous êtes quatre? Oui. Ici, d'accord. Deux filles et deux garçons. Deux filles et deux garçons, d'accord. Très bien. C'est une belle famille alors. Oui. Est-ce que vous connaissiez avant Goma Espérance, avant que les frères viennent ici? Est-ce que vous avez fait le rattrapage ou les visions ici? J'ai fait la vision ici. La vision ici? La troisième, la deuxième, la première vision? La première vision et la deuxième vision. D'accord, d'accord, les deux premières. Ouais. D'accord seulement. Bon, ben c'est bien d'être venu et d'avoir continué sur la couture. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres? D'autres personnes qui vont étudier ici. Qui vont faire de la couture ici? Oui, ça y est. Oui. Bon, moi, ça y est, j'ai dit le 19. Le 19, il y en a de nouvelles qui viennent? Oui. Et là, vous leur avez dit que c'était bien? Oui, c'était bien. Oui. D'accord. Maintenant, il faut faire la publicité de la formation couture ici. Hein? Il faut dire c'est bien, on apprend bien. Ah. D'accord. Et avec le maître Willy, ça va? Ça s'est bien passé? En tout cas, ça va. Oui. Pas de problème. Oui. S'il a des problèmes, ils nous orientent quelque part. On fait comme ça, c'est tout. D'accord, d'accord. Bon, ben ça c'est... Je suis content qu'on ait trouvé un bon professeur. En tout cas, c'est bon. Alors, je vais ramener en France des objets que vous avez faits. Qu'est-ce que vous avez cousu que je ramène en France? Le pantalon. Oui. Chemise. Oui. Et le boubou. Et le boubou? Et le sac à main. Oui. Sac à main dame. Sac à main homme. D'accord. Et le portefeuille. Waouh, tout ça. Alors, je vais découvrir ça alors. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Et encore félicitations pour le diplôme. Merci. Voilà. Très bien. Merci bien. Ok.